Et bonsoir tout le monde, c'est Picti et bienvenue pour ce 17ème épisode sur The Witness. Alors on se retrouve pas exactement là où ça s'était terminé puisque je vais retourner. Au truc que j'avais résolu la dernière fois grâce à l'aide de ma base friend, my dear Suppo. Car bah, je l'avais fait, j'avais compris comment faire le trajet, mais j'avais pas compris pourquoi. J'avais pas compris la logique du truc, et donc j'en ai reparlé avec lui, il y a eu quiproquo. Du coup, lui m'a dit, enfin du moins ce que j'avais compris de ce qu'il m'a dit, c'est ouais les trucs sont tombés, machin, ce qui a décalé le panneau. Et j'avais complètement zappé ce qui a décalé le panneau, et donc là, on voit bien que le panneau là, il est complètement de travers, il devrait être... comme ça là. Là on voit bien que il devrait être comme ça en fait, là la barre qui est là. Il devrait être comme ça. Et donc si la barre devrait être comme ça, et ben ça devrait se retrouver là. Donc ce qui fait bien le chemin, et donc c'est moi qui ai tout complètement foiré. Et c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe à ce truc là. Alors je pense peut-être je l'aurais trouvé mais genre dans encore 2 heures de plus quoi. Mais c'est vrai que j'étais borné sur le fait qu'il fallait juste jouer avec l'ombre et les trucs, et j'ai pas fait gaffe à ce que le machin pouvait être cassé. Donc voilà. Voilà, je me suis pris la tête sur ce truc-là pour pas grand-chose au final, alors que si on avait vu que cet élément était fucked up, on aurait pu trouver la solution bien avant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? J'ai pas trop envie de retourner au piaf pour le moment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part le piaf? C'est ça le délire. On a déjà 6 rayons d'activés. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Alors ça, c'est la mécanique des cubes de Tetris, là. Et on n'arrive jamais à avancer, en vrai. Et j'aimerais bien avancer. On peut pas aller sur le petit truc rouge, là. Pourquoi c'est fermé, là? Fils de pute! On avait fait les jaunes, mais ensuite ça nous avait bloqué la route. Faudrait qu'on retourne en contrebas. Ah mais le problème c'est qu'il y a le chemin violet qui va nous faire chier. J'aimerais beaucoup avancer ici. Alors ça, on l'avait déverrouillé. Il doit y avoir un angle de caméra où les deux se rejoignent, les deux mains se rejoignent. Faudra s'éloigner avec le bateau. Ça doit être stylé. Alors ici, ce n'est point activé puisqu'il faudra activer... ceux-là, mais ceux-là ne sont pas activés non plus. J'ai pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, c'est bleu et violet. Moi, je veux aller au bleu et noir. Comment on fait déjà ces trucs là? Je passe un truc comme ça. Alors tic. Ensuite faut que je les sépare, c'est ça? Alors ça je le sépare. Nier? Ah faut faire des... Il faut faire des cubes de Tetris peut-être, comme ça. C'est bien ça. Là, ça nous amène à que dalle, là non plus.
Pourtant j'ai réussi les jaunes, c'est ça qui est assez dingue. Là-bas on peut pas y aller non plus. Alors j'ai des problèmes de souris, j'espère que ça va pas redéconner puisque j'ai déjà essayé de lancer deux fois cet épisode et deux fois ma souris a cassé les couilles. Va falloir que je la change parce que j'en peux plus là. C'est injouable. Elle déconne un jour sur deux, ça me saoule trop. C'est pas par là. Hein. Oh là, il doit avoir un truc caché dans le décor. Y'a pas un truc là aussi? Non mais là, ça fait trop une ligne. Bon, on verra ça plus tard. Les trucs cachés à moitié facultatifs, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est essayer de débloquer la suite. Pourquoi on ne peut pas débloquer la suite? Qu'est-ce qui nous en empêche? Oh wait, peut-être en fait il faut activer les deux, genre déjà activer celui-là mais on peut le faire aussi le même chose de l'autre côté en fait. Faire un truc comme ça. Non, pas comme ça, comme ça, et on peut le faire même de l'autre côté. Oh putain, je suis trop con. Ah ouais d'accord, c'est pour bouger la plateforme. Ah. C'est vrai que je comprenais pas. Bon, on va pouvoir avancer sur les cubes de Tetris enfin! C'est vrai que quand le câble est de couleur blanche, en fait, là il est jaune, ça veut dire que ça avance. Mais là, c'est juste pour la plateforme. Bon, bah c'est cool. On va pouvoir enfin continuer sur les blocs de Tetris. Putain, c'est long. Allez! Merci! Alors là, c'est fermé. Oui! Je me suis dit, putain, il n'y a rien à faire. Mais en fait, si. Ah, là aussi, apparemment, pour ouvrir la porte, on peut faire des trucs. Alors, tac. Un, deux, trois. Merde, c'est que 1-3. Comment on va pouvoir le faire celui-là? Celui-là il fait 1-2-3-4. 1-2-3-4. Je pense qu'on est obligé de partir comme ça, comme ça. Mais alors l'autre pour là-bas pour le faire. Voilà, ma souris elle me fait peur encore là. Surtout pour un jeu comme... Ouais, regardez là. C'est incontrôlable. Ça y redéconne, c'est reparti. Putain de merde, non. Ah, elle me saoule. Allez, s'il te plaît, fais pas la pute. Comment on pourrait la jouer? Est-ce qu'il y a une combinaison si genre je mets celui-là là? Après comment je chope celui-là si je le mets là? Ou alors celui-là là? Non mais faut que je chope ça et ça, c'est impossible en fait à choper ensemble je crois. On va tester des trucs.
Je suis obligé de terminer comme ça de toute façon. Putain de souris de merde. Excusez-moi deux secondes. Elle a des faux contacts de fou, ça m'ordingue. Bon alors celui-là, 1, 2, 3... Celui-là, il ne peut être que comme ça, celui-là. Ouais, en fait, faut plus que je parte comme ça, ce serait plus simple. Celui-là comme ça, et celui-là... Voilà. Putain, elle m'énerve! Je vais devoir faire une ellipse. Putain. Ah ouais, elle capte plus des fois en plus. Hein. C'est vraiment ça le pire. Alors, toi. Non, mais en fait, faut faire un H, quoi. Parce que là, si on prend ça comme ça, ça fait un H. Faut juste séparer... Ah, mais comment on les sépare... Non, faut pas faire un H, à mon avis, du coup. Comment on la joue? Est-ce que ça, faut le prendre, ça, faut le prendre, ça, faut le prendre. Si on prend tout l'ensemble, ça nous fait... Stack, tac, tac, ça fait un H. Il n'y a que ces cases, deux cases là et deux cases là qui ne sont pas pris en compte. Sauf qu'on peut pas faire ça et revenir par là puisque ça nous bloque ici. Donc comment on va procéder? Va falloir qu'on mette... Si on met ça là, c'est pas possible. Puisque ça, faut qu'on le prenne en compte. On pourra mettre ça ici. Ça ici. Et l'autre barre ici. Du coup, il y a... Ok, donc du coup... Ce qui serait pas pris en compte, ce serait ça. Ok. Moi, c'est bon. Ça, c'est fait. Et je peux plus tourner, regardez. Je ne peux plus tourner. Ah ! Me saoule, putain ! Bordel de souris de merde, quoi. C'est incroyable. Bon. Essayons de faire des choses pendant que ça déconne pas. Alors... Voilà, ça a l'air... J'allais dire ça a l'air simple. Alors on peut faire... Ah c'est bizarre parce que... Regardez là, la ligne du milieu. Pourquoi la ligne du milieu elle a l'air d'avoir plus d'espace que les deux petites là? Ça a quelque chose à voir? Je sais pas, ou peut-être c'est juste un fail. Putain de merde. J'en peux plus. Sinon moi je vois bien le truc comme ça. Voilà donc ça marche. Alors là. Comme ça. Non, comme ça. Ah non, c'était bien comme ça puisque l'autre va en bas. C'était bien comme ça. R déconne, putain de merde, nique sa mère. Une merde. Bah... Alors. 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, plus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, donc on peut tout prendre. C'est nickel. On le prend comment? On peut pas le prendre bien en fait. Pas de problème. Si on peut en faisant ça, ça et ça. Ah putain de merde! Oh, ah, je pense que c'est le dernier que je fais, après je finis parce que là j'en peux plus. Alors, comment on procède?
3, 3, 2. Je sais pas si on va vraiment pouvoir les relier. Si on peut les relier, mais faut que lui. Là, en fait, il va avoir collision si je le prends là, lui, donc il va falloir que je le mette là. À la place, et lui, que je le mette là. Donc on va commencer comme ça. Ah, mais non, mais là, je peux pas, en fait. On va faire ça comme ça. Et ça. Ça. Ça, comme ça, comme ça. Nice. On progresse! Ça déconne pas pour le moment? Oh si, ça déconne. Ouais, bon, ça déconne totalement. Bon bah, désolé mes petites ellipses, problème technique, ça me saoule trop. A tout de suite. Mais il a l'air simple en plus celui-là. Attendez, il est tout bidon. Voilà. Ellipse! Bonsoir tout le monde, c'est Picty et bienvenue. Bah pour l'ellipse, pour l'après ellipse de l'épisode 17. Et ouais, j'ai fait mon intro, bah, je refais mon intro parce que voilà, quand je lance mon stream, j'ai la mauvaise habitude de lancer mon intro. Bon, pendant que ma souris marche, mais elle marche un peu trop bien, je sais pas pourquoi elle est trop sensible à la limite. Peut-être parce que j'ai fait tout un tas de trucs et j'ai enlevé Razor Synapse, du coup je suis pas, j'ai beaucoup trop de DPI, ça doit être pour ça que c'est plus sensible et que ça part en couille. Et pendant que ça marche, ben, je vais continuer l'épisode, hein, tout simplement. Alors on s'était arrêté ici, je vais remettre le chrono. Alors là, ben là ça fait un carré, voilà, tout simplement, lui il va là et vu qu'ils sont collés ça fait un carré. Alors là on a, qu'est-ce qu'on peut avoir comme forme? On va voir un truc comme ça avec lui et lui, et toi on peut te mettre comme ça ou pas. si, bah si, c'est ça. Non, bah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, on peut faire ça. Attendez, tac 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 tac. Comment on va la jouer celle-ci? On peut la jouer au fait tout simplement comme ça. Comme ça. Donc on fait un truc comme... Ah. Trop sensible. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Comme ça et comme ça? Oui, c'est bon. Donc ça et ça, ça va là et là, ça, ça va ça, là, et puis la grosse barre ici. Comme ça, tout est collé, tout est dedans, c'est parfait. Alors là, oh, c'est assez curieux. Du coup, ce serait ça et ça et ça et ça. Ou c'est... J'arrive pas à estimer la distance. 1, 2, 3, non, c'est du 4, donc de là et de là. Puis ça, oh putain. C'est du 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ça fait un truc comme ça. Une barre. On va mettre comme ça. Du coup, s'il y a deux d'espace, celui-là... Et celui-là, on ne va pas pouvoir les mettre ici ou ici. Il va falloir les mettre ici. Donc bah ça, on le met soit là, soit là. Et puis ça. Donc du coup... Non, et puis celui-là, va falloir le mettre là. Parce que celui-là, va falloir le mettre ici, obligé. Ouais, c'est obligé que celui-là, on le met comme ça. Du coup, celui-là, on le met là. Et les deux... Puis les deux, il va falloir les mettre là pour prendre lui avec, en fait.
Du coup, ça nous donnait un truc qui a deux cases là. Trois cases là. Deux cases là. Deux cases là. Donc ça nous fait un truc du genre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, c'est bien ça. On avance, nickel. On arrive enfin à avancer, c'est incroyable. Alors, bon bah ça, voilà, quand ils y sont de travers, ça veut dire qu'on peut les changer de direction. Alors là, c'est un... Ok, c'est un L, donc... Comme ça. Alors ici, on peut mettre... Alors, comment on va les mettre? Un comme ça. Et un comme ça. Non, c'est pas possible. Puisque ça fait comme ça. Non, c'est pas possible. On va en mettre un comme ça. Et l'autre. Et l'autre, et l'autre, et l'autre. Alors, on peut en mettre un comme ça. Sinon, un comme ça. Et l'autre comme ça. Et ça ferait ça. Ah oui, non, mais non, impossible. C'est de la merde. Ils peuvent pas être, ils sont dans le même sens, du coup, je peux pas en faire un comme ça. Vu qu'il faudrait que ce soit deux comme ça, quoi. Deux. Ah, mais les comme si et les comme ça, ça va y aller dans cet épisode des comme si et les comme ça. Du coup. Tac. On va pas pouvoir parce que là il y a des trous. Et les trous ça fait chier. On va commencer à essayer de faire des trucs hein, tout simplement. Donc lui si je le mets comme ça... Bah déjà je suis fucked up. Si j'en mets un comme ça... Ok mais ensuite l'autre je suis obligé de le mettre... l'autre c'est impossible à mettre en fait tout simplement. C'est pas possible de les mettre là à cause du putain de trou. Ah, je peux aussi les mettre comme ça. Comme ça. Oh, ce serait pas comme ça et comme ça. Bah non, mais non, parce que lui, je le prends pas. Ou alors comme ça et comme ça. Ce qui nous donnerait un espèce de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est des rosaces, c'est ça, les trucs qu'on souffle dessus et ça tourne et tout. Les tourniquets rosaces, là. Du coup, j'ai dit comment? Comme ça. Et comme ça. On va tenter. Ah, mais du coup, comment on referme? Parce que c'est bien joli, joli, mais... Ça donnera un truc comme ça. Je suis même plus sûr de ce que je veux faire. Si c'est ça. C'est ça, mais c'est un peu relou. Mais non, mais de toute façon, je le prends pas lui, donc c'est de la merde. Mon idée, c'est de la grosse merde en fait. Du coup, si.
Ah ouais, non, mais là, je suis obligé d'en mettre un comme ça pour prendre les deux, en fait. Si j'en mets un comme ça, il faut que j'en mette un comme ça, je peux pas. Comme ça, je peux pas. Faut que j'en mette un comme ça, du coup, je peux peut-être en mettre un comme ça. Non, comme ça. Non, comme ça. Non. Comme ça et comme ça. Ah là, ça passe. Et comment je vais la faire par contre? Ah bah voilà! C'est bon! Réussi! Ah, bon alors lui il va bien falloir savoir qu'on va le. De toute façon il a pas des tonnes de possibilités le yo-yo là le zozo. Alors on va tenter plein de trucs. Alors déjà ça c'est pas possible. Ah, faut qu'il soit collé à un bord déjà, il va être soit. Soit il est comme ça, c'est pas possible, soit il est comme ça, c'est pas possible, soit il est comme ça. C'est possible de le mettre comme ça. Ça me semble déjà pas possible parce qu'il y a un trou et du coup il serait comme ça. Donc comme ça. Par contre, si je le fais comme ça, va falloir que je parte. Ouais, non, c'est chiant. Ou alors, bah, je peux le prendre comme ça. Mais c'est déjà pas possible, on peut pas comme ça. On peut pas comme ça. Comme ça, on ne peut pas. Comme ça, on ne peut pas. Non, c'est plutôt comme ça, de toute façon. Là, on ne peut pas non plus. Là. On peut peut-être ici. Je sais pas. On peut pas comme ça, est-ce qu'on peut comme ça? On a déjà essayé tout à l'heure, je crois que c'était pas possible. Je n'étais pas possible. Parce que là, ça nous coupe la route. Et du coup, il nous manque plus que. Comme ça et comme ça. Et comme ça, c'est pas possible, donc du coup, on va essayer comme ça. Et ça nous coupe la route là-bas. Putain de merde. Où est-ce que je vais pouvoir le placer ce con-là? Ah mais si, c'est comme ça en fait. On s'en fout de toute façon qu'il y a un trou là. On s'en fout qu'il y a un trou ici. On s'en bat les couilles. Bon nickel. Bon bah le passage est déjà fait. Ça c'est bon. Alors ici. Bon là ça va devenir compliqué vu qu'ils sont tous penchés. Ils sont tous penchés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, lui, on peut le mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Avec lui, qu'on pourrait mettre soit comme ça en raccord. Ou alors, on le met comme ça, et lui, on le met comme ça. Et ensuite, lui, on le met comme ça. Ce qui nous donnera un truc comme ça. Non, ça serait un truc comme ça. On pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah non, merde! Ah, je me fais niquer! Je me fais niquer d'un bloc! Oh, c'est de la tristesse. Putain, je me fais niquer d'un bloc, c'est pas vrai, quoi. Ah mais non, mais de toute façon, lui, je le prends pas dans l'eau, donc ça ne sert à rien ce que j'étais en train de faire.
Lui, je vais pas pouvoir le mettre comme ça ni comme ça. Bon, après, je peux le mettre comme ça. Putain, ouais, mais. Ah là, ça va être chiant parce que. Je suis sûr, il y a beaucoup. Il y a plusieurs possibilités. Enfin, façon de le faire, mais. Il va falloir trouver les bons trucs où on. Déjà, faut les prendre tous entre eux, je pense. Ça m'étonnerait qu'on puisse les prendre tous à part comme ça. Sauf si, hein, je ne sais pas, on va tester. Ça va ? 1, 2, 3, 4. Ah non, ça marche pas là. Si, ça peut marcher en fait. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je l'ai fait comment lui ? Et comme ça ? Et lui. Du coup, ça fait un truc comme ça ? Oui, c'est bon. Oh, ça va. Franchement, ça va. J'ai eu un peu peur quand même. Si, mais parce que j'essaye de. J'essaye de tous les regrouper et du coup, ça, je fais de la merde en fait. Je me complique la vie. Du coup, là, on pourrait faire un. Est-ce qu'on pourrait faire un. Un rectangle. Un rectangle de 3. Non, mais non. La merde. Lui va être obligé d'être combiné avec un autre parce que c'est impossible de faire un truc comme ça puisque voilà ça se rend compte du coup. Je pense qu'il va falloir le combiner avec celui-ci. Du coup il est obligé de partir par là par contre. Pour être que comme ça par contre il est penché donc on peut peut-être le mettre. Bah non on peut pas le mettre comme ça vu que obligé de prendre cette case là donc lui il est obligé d'être comme ça. Alors ensuite il peut être combiné avec lui tout simplement. Mettre comme ça, voilà, et lui après, et eh ben on va tout simplement le faire, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, voilà, nickel. Alors ici, alors lui déjà il ne peut pas être renversé, donc il va être obligatoirement comme ça, lui peut être renversé par contre, alors lui son pote on va le mettre où? Où est-ce qu'on va le foutre son pote Sachant qu'il va être obligé d'être collé, hein, vu que lui il est obligé d'être comme ça. Et vu qu'il est obligé d'être comme ça, bah on est obligé de le prendre dans le tas, du coup il va falloir le mettre quelque part. On pourrait limite le mettre. Non, on peut pas, vu qu'il y a un trou de qui veulent pas qu'on le mette comme ça. Est-ce qu'on peut le mettre. On peut pas le mettre comme ça non plus sur le dessus là. Il y en a deux. Hein. On pourrait faire un truc genre les 6 là. Enfin celui-là, celui-là. Voilà ici, celui-là ici et celui-là ici. Est-ce que ça passerait? On va voir. Non, ça passerait pas déjà. Celui-là, on peut le mettre comme ça. On peut le mettre comme ça, lui. Hein. Comment j'ai dit comme ça? Même si on le met comme ça, faudrait plus le faire de l'autre sens. Voilà, comme ça. Donc lui, il est géré. Ensuite, l'autre. L'autre. L'autre, comment on pourrait le coller avec les deux là? Pas comme ça. Ça aurait été possible, mais il y a les deux ici là, là celui-là et celui-là qui vont nous faire chier. Il n'y a pas moyen de genre les séparer et ensuite. Non, on peut pas. Hein. Y a moyen de le faire d'un autre sens ou quoi? Genre comme ça. Comme ça. Ah, ça me semble
un peu mal barré, hein. Mais dans l'idée, ça aurait été de faire ça. Mais ça fait chier. Après, vu que tout est collé, peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut niquer le game, hein. Faut pas niquer le game par là. Comment je pourrais niquer le game avec lui? Bah, comme ça, en fait. Comme ça, faudrait que je le... Ah, bah non, pas possible. Pas possible, ou alors... Je passe comme ça... Lui, là... Ah non, pas possible. Putain, relou! C'est lui qui va être déterminant. En soi, lui, je peux le mettre 1, 2, 3, lui, 1, 2, 3. Soit je pourrais juste faire comme ça et comme ça, non? Ah bah oui, voilà, c'était easy game. Voilà, je réfléchis trop pour rien. Je cherche des trucs impossibles alors que c'est tout bidon, c'est tout bidon. Alors là, on peut faire une étoile. Alors ils sont penchés. Alors ça, on peut faire 1, 2, 3. Plus 1, 2, 3. C'est... Non, c'est un truc de merde. Voilà, on peut faire juste un rectangle encore, en fait, avec ces deux-là. Hein. Quand on regarde, on peut faire un rectangle. Rectangle de 6. Ensuite, toi, tu pourras aller... je ne sais pas où tu... On pourrait te mettre, toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faudrait que je chope les deux. Faut que je combine ces deux là, ces trois là ensemble, c'est un... ça c'est obligé. Après lui je pense qu'il faut le laisser tout seul. Il n'y a pas besoin de les mettre avec les autres. Pas besoin. Genre vraiment pas besoin. Faire le losange ici. Et ensuite, bah lui, il va falloir essayer de le séparer d'une manière ou d'une autre. On peut pas mettre le losange ici. On peut mettre le losange là, et lui comme ça. Et on revient au même problème. Ouais, ouais, ouais. Il est relou le petit, hein. Est-ce qu'il faut pas commencer par le petit et ensuite baragouiner quelque chose? Non, je pense pas. Comment qu'on va faire?
Moi j'aimais bien mon idée comme ça, mais après le petit il nous casse trop les couilles en vrai. Et je vais pas réussir à l'isoler, ce PD. Bah si, comme ça c'est bon. Attendez. Ouais, je sais pas pourquoi je me suis pris la tête. Je l'ai fait un peu, là je l'ai réussi en mode no brain quoi, en mode mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Bonjour. Oh, y a des filtres de couleurs, ça pue. Ouah, va falloir jouer avec le niveau de l'eau. Oh, ce carré là, je sais pas ce qu'il fait. Nier. Ah oui, il supprime, donc ça devient un 2. Donc là, 2 moins 2, ça fait 2. Là, ça fait ça. Oulala. Alors là, ça nous fait un truc comme ça. Voilà, parce que là, ça fait 4 plus 4 plus 4 plus 4 moins 2. Ok, donc ça va. Et là, ça nous fait un truc... Ah oui, d'accord, donc ça fait un trou. Le trou qui nous permet de réussir le truc, parce que sinon c'était impossible à faire, ça. Ça, c'est impossible à faire, tu peux pas faire. Et après, bah comment je vais dans le milieu? Bah c'est impossible. Donc voilà. Du coup, j'ai débloqué un truc. Ou c'était juste la bite? Ai-je débloqué un truc? Ah, apparemment oui. Alors ici, ça n'a pas l'air d'être débloqué, mais je crois que là-bas, il y a un fil jaune qui nous conduit. Alors, il faut qu'on fasse le bleu et la violet. Alors, toi tu dégages, et le bleu et le violet. C'est bien, on avance. Ma souris ne déconne pas pour le moment, c'est incroyable! Ah, ça c'est cool! Blou, blou, blou. Ouh! C'est quoi ça? Mais moi je veux faire les trucs là! Comment on fait? Là? Ah, avec les couleurs! Attention les oreilles! Blah! Je veux du orange! Bon alors, oh putain de merde. Oh putain, c'est quoi ça? Alors là on a un truc comme ça. Alors on pourrait faire ça plus ça plus ça plus ça plus 1, 2, 3, 4, plus tac, plus un carré, plus... Quoi qui revient comme ça, et ça nous donnera un truc... Ah non, bah non. Ah lui, il va nous casser les couilles. Le petit, là, il va nous faire chier. Le petit va nous faire chier. Ou alors, ce que je peux faire, peut-être, c'est... Alors, là, ça fait ça. Ça fait ça, donc on fait ça. Toi, 1, 2, 3, 4, tu viens avec lui. Il vient comme ça, qui fait ça.
Et toi, on peut te mettre... On peut pas te mettre à l'écart, toi. Ah ouais, t'es vraiment chiant. Ou alors lui, on peut le mettre avec eux, en mode... en mode comment? En fait, je suis sûr, je me prends la tête. On peut tous les regrouper. Et à la fin, il ne reste plus que deux cases, quoi. Est-ce que lui, il va là? Lui, il va là? Lui, il va là? Lui... Attendez, attendez. Alors, toi... Toi, tu vas là, ok? Toi, tu vas là, ok? Toi, tu vas là, ok? Donc, toi, t'es là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. 1, 2, 3, 4, tu vas là. Tu vas là. Toi, tu vas là. Et... Ouh, ça me donnera un truc comme ça. Et comme ça. Voilà. C'était trop bien! Oh putain, une télécommande. A poet once said, the whole universe is in a glass of wine. Ah, Tyrion Lannister. We probably know that since he meant that for... Poets do not write to be understood, but it is true that if we look at a glass of wine closely enough, we see the entire universe. There are the things of physics. C'est Tyrion Lannister, c'est sûr. Which evaporates depending on the wind and weather, the reflections in the glass, and our imagination adds the atoms. The glass is a distillation of the Earth's rocks, and in its composition, we see the secrets of the universe's age and the evolution of stars. What strange array of chemicals are in the wine? How did they come to be? There are the ferments, the enzymes, the substrates, and the products. There in wine is found the great generalization. All life is fermentation. Nobody can discover the chemistry of wine without discovering, as did Louis Pasteur, the cause of much disease. Louis Pasteur. How vivid is the claret, pressing its existence into the consciousness that watches it. If our small minds, for some convenience, divide this glass of wine, this universe, into parts, physics, biology, geology, astronomy, psychology, and so on, remember that nature does not know it. So, let us put it all back together, not forgetting ultimately what it is for. Let it give us one more final pleasure. Drink it, and forget it all. Richard Feynman, 1963. D'accord. Merci Richard. Bon. C'est pas tout, mais j'aimerais bien trouver la suite. Alors je me demande si on peut pas aller dans les souterrains d'autres trucs comme ça. Du coup, on va retourner en bleu noir. Alors, le bleu noir, on l'avait fait comme ça, tac. On a pu aller dans ces deux souterrains, je ne sais pas vraiment ce que ça nous a débloqué. Mais au moins, on l'a fait. Du coup, maintenant, à nous de voir si on peut pas aller dans... On peut pas aller dans le rouge. On peut aller dans celui-ci. À mon avis, faut tous les faire. Alors... Tiens, bah d'ailleurs, pendant qu'on est là, alors c'est pas bien, là c'est bien là, non, s'il te plaît, je suis daltonien, fais pas ta pute, wesh. Il se fout de ma gueule! Voilà, ça fait rouge. C'est plus un truc rose, hein. C'est plus rosâtre que rouge, hein. Allez, je veux le faire, enculé, donne-moi la bonne
Bon, il me saoule. Il me saoule trop. Bon, alors on va faire ça. Peut-être ça va changer des choses, hein. What the hell? Ah oui, c'était la plateforme. Ah oui! Si on bouge la plateforme, ça doit sûrement... nous permettre... What the fuck? 1, 2, 3, 1, 2... Ah, j'en ai fait un de trop. J'en ai fait un de trop, en effet, excuse-moi. Et voilà. Bon, maintenant que ça s'est fait... Alors... Alors, pourquoi ça ne marche pas? 1, 2, 3, 4... 1, 2... Ah oui, d'accord. Ce serait plus un truc comme ça. D'accord. Ouais, là, c'était pas possible. Alors, maintenant, on va faire ça... En fait, là, il va nous en falloir 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, quoi. C'est un peu ça, le délire. Vu qu'on retire un à chaque et qu'il va falloir tous les relier, donc c'était obligé. Alors là, ce truc-là, c'est un zigouigoui comme ça. Il va falloir mettre à ce truc-là... Comment on va pouvoir le faire, ce bâtard? Pire, je pourrais le mettre là en 4 et lui en 3 ici. Mais après, c'est comment refermer ça pour arriver jusque là, ça va être ça le truc chiant. C'est pour ça qu'il faudra peut-être mieux le faire là, mais je sais pas. Ou alors là, non, là. Parce que là, ça passe. Oui, là, ça passe. Comme ça. Ok, nickel. Donc celui-là, je l'ai mis là. Et puis celui-là, j'ai enlevé un. Donc c'est le bloc jaune, le carré jaune d'ici. Pour en faire un L à l'envers. Et donc, comme ça, je les ai tous en compte, et tout va bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il me demande? Alors, il veut que j'enlève un carré, donc il va falloir faire un carré. Donc, pour faire un carré, il faudrait le mettre... Oh putain, c'est bizarre, ça. Déjà, il y a un truc comme ça, qu'on pourrait rajouter... au-dessus, un truc comme ça. Et si on enlève un truc comme ça, on rajoute un truc comme ça, on enlève le carré. D'ici. Oh putain, ça va être complexe ça, à moitié, non? Là, je suis obligé de le prendre comme ça. Ok. Putain, celui-là, il a l'air chiant, celui-là. Hein. Franchement, il a l'air chaud parce qu'il va falloir tout prendre. Enlever un carré, donc ça va complètement nous dérégler notre truc. On va devoir ne pas prendre des trucs, donc... Donc c'est assez spécial. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors lui, comment on aurait pu le mettre? On aurait pu le mettre là. Lui, je l'aurais mis là.
Alors ça nous retire le carré qui est au milieu. Je pense qu'il n'y a que deux blocs ou faut faire un carré avec deux blocs. Hein. Le problème c'est que si on fait un carré avec deux blocs, ça ressemble plus à rien. Je le mets là. Et je peux pas en fait. C'est ça le problème. Comment on fait un carré? Comment on enlève? Ou alors, est-ce que... le seul truc que je me demande, c'est est-ce qu'il faut enlever sous forme de carré comme il nous l'annonce là, ou est-ce qu'il faut enlever 4 cubes? Si on enlève 4 cubes, c'est 1000 fois plus simple. Si on enlève sous forme de carré, c'est beaucoup plus dur. On va essayer d'enlever 4 cubes. Si on enlève 4 cubes, on peut tout simplement faire ça. Ah bah non, on peut pas. Putain de merde. 1, 2, 3, 4... Si on peut enlever celui-là. Ok, donc. Ok, donc c'était bien 4 cubes, donc c'est 1000 fois plus simple. Donc ce que j'ai fait, lui, comme si qu'il était là. Ok. Lui. C'est un peu comme s'il était... Comment dire? C'est un peu comme s'il était là. Comme si lui, comme s'il était là, lui, comme s'il était là. Bon, en gros, je pense que le seul truc qu'il y a à se dire, c'est que... On compte le nombre de carrés qu'on a. Donc là, il y en avait... 4 plus 4, il y en avait 12. Donc on, il nous fallait faire un truc à 8. Et avec les 8 qui nous restaient, il fallait faire un truc qui ressemble à... qui ressemble à la forme des trucs qu'on a. Donc là, ces 3 là. Par exemple, on retire celui-là, on prend ces 3 là. Donc 1, 2, 3. Donc là, on en retire un, on en garde 3 pour faire ça. Lui, on garde les 4, donc ils sont là. Et lui, on enlève 3, on en garde 1 pour le mettre là. Et donc voilà, après on peut faire la forme qu'on veut, je pense. Et c'est pour ça que c'est assez simple. Enfin, simple, oui et non, mais... Donc là, par exemple, on peut, on va pouvoir enlever 2 trucs. Et en ajouter 4. Donc au final, on n'ajoute que 2. Parce qu'il va falloir les placer. On va falloir les placer au milieu. Pour pouvoir faire un truc comme ça. Alors, tac, tac, alors on peut pas. Où est-ce qu'on va pouvoir le placer? Au pire, on retire celui du haut, comme ça on peut placer celui-là ici. Et ensuite, lequel on peut retirer? Ça nous fera un truc comme ça. Comme ça, comme ça. Bah là déjà il y aura un trou donc c'est pas possible. Il faut pas qu'il y ait de trou donc celui-là peut-être aussi. Donc si on retire celui-là, ça nous fait un truc comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Merde. Ça, ça a l'air d'être plus chiant que prévu en fait. Ça a l'air d'être plus casse-couille que prévu.
Ouais, je suis un peu niqué. Je réfléchis beaucoup, désolé si je parle peu, mais là... Mais là, je sais pas si en fait je peux... Je sais pas trop comment procéder. Il va falloir rentrer soit là, soit là, soit ailleurs. Peut-être ici, genre je retire celui-là, je mets les trois. Et après lequel je retire celui-là. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Comme ça, tout est lié là. En fait, faut que toutes les cubes soient liées. S'il y a un trou, c'est impossible parce qu'on ne peut pas faire un carré dans le vide en fait. On peut pas faire un carré vide entre tous les carrés. Donc, faudrait enlever celui-là et celui-là. Ce qui nous donnerait... Et sachant que quand j'enlève celui-là, à la place, je mets celui-là. Hein. Donc celui-là, c'est comme ça. Bon, alors on va essayer. Hop. Comme ça. Celui-là, il est pris en compte. Donc celui du bas n'est pas pris en compte. Celui-là, il est lié. Comme ça, en plus, ça nous prend bien avec ce cube-là. Ce cube-là, il est lié. Ce cube-là, il est pas. Ce cube-là, il est pas. Et je suis niqué parce que je ne peux pas enlever le cube qui est ici. Merde. Si ? Hein ? Eh ? Eh ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Attends. J'ai retiré celui-là et celui-là. Celui-là, je l'ai retiré. Ou peut-être qu'on pouvait les déplacer ? Hmm. Bon, je vais pas me plaindre. Ça marche ? Ouais, ça marche ! Du coup, j'ai déclenché quoi? Est-ce que je peux aller dans le rouge en bas maintenant? Waouh! Je sais pas si dans le jaune on pouvait y aller ou quoi que ce soit. Je vais refaire vite fait un tour au jaune là-bas. Y'a pas un accès au jaune? Je vais voir. Ah, mais non, mais je peux pas en fait. Bon, c'est pas grave. Allons ici. Ça fait déjà une heure de vidéo, je vais essayer de me dépêcher. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ah, les bâtards. Deux moins deux, ça fait zéro, mais pourquoi? Il n'y a que comme ça que ça marche pas, parce qu'en fait ça les efface. Donc comme si que c'est... En fait c'est comme si qu'il y avait rien, donc on s'en fout quoi. En fait on s'en fout, on pourrait limite faire ça, ou ça, parce qu'on s'en fout là ça fait zéro. Donc du moment... En fait faut juste qu'ils soient ensemble et on s'en fout, puisque de toute façon ça fait zéro, donc on s'en balèque. Assez rigolo comme système. Bah là aussi en fait limite on s'en fout, voilà. C'est drôle ça. Ça me plaît ça putain. Alors là. Alors lui, va falloir... Oh putain, c'est... C'est assez bizarre. Comment je vais faire là? What the fuck? What the fuck? C'est les carrés bleus, je peux les mettre dans le vide ou quoi, en fait? Non, bah non, je peux pas. Mais genre... Donc toi, je suis obligé de t'en enlever deux, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc toi, t'es obligé d'être comme ça. Et puis toi, mon gars. Mmh.
What? J'ai rien pigé là. Est-ce que c'est juste pour ça, c'est juste pour me dire qu'en fait on peut supprimer les blocs, genre si je mets ça avec ces deux là, ça les supprime. Et il se passe rien en fait. Et donc toi, il faudrait que... En fait je peux... Non parce que lui il est pas... Donc ça, ça marche en fait, on peut supprimer les blocs, ok. Ok, donc il en... le jeu est en train de me dire qu'on peut supprimer... Donc toi on peut te supprimer comme ça aussi. Hein. Et donc lui... Attends, peut-être le plus simple ce serait de faire un truc comme ça. Avec lui, je pourrais le prendre comment en fait? Oh wait! En fait, je peux tout simplement faire ça et c'est gagné, puisque ça va supprimer le gros carré. Et du coup, lui il est là, et le gros carré on s'en fout, il est supprimé avec les 4. Oh d'accord, putain, ah c'est vraiment stylé au final cette mécanique. Je la comprends mieux. Là je la comprends mieux, d'accord. Bon alors, du coup... En fait là... Ce qui est drôle c'est qu'en fait on aurait pu tout supprimer, on aurait juste pu faire ça. Et aller jusque là, mais ils ont mis des trous. Il a mis des trous, l'enculé de Jonathan. Ah putain, le bâtard, on aurait pu tout supprimer là. Mais du coup, on est obligé de... En fait, si on fait ça, bah, on peut plus tout supprimer. Du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut juste faire... Genre ça... 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 Non, ça... Ça marche pas. Comment ça se passe? Est-ce qu'on, si on fait ça et ça... C'est... Alors ça on peut pas, non? Je pense là c'est bon, hein, parce qu'on supprime le 3, on supprime le 4. Nickel. Wow. Oh, on arrive chez les rouges, enfin, on a réussi! La victoire est totale du Picouz. Oh, il se passe un truc, là. Mais on verra ça pour... Oh là, il se passe un truc aussi. Il se passe des trucs en bas! Comment vais-je faire? Je peux entrer dans les cages? Il se passe quoi en haut? Ouais. Là, je peux faire lui. Et lui, je veux pas trop, mais... Mais on verra ça dans le prochain épisode, j'espère que celui-là vous a plu et je vous dis portez-vous bien, salut tout le monde!